je dis, quand on fait un concert à Forêt Nationale, on ne fait pas un concert à Bruxelles, on fait un concert en Belgique. Forêt Nationale, pour moi, c'est une des salles les plus mythiques qu'on ait en Belgique. J'ai toujours rêvé de chanter dans cette salle et finalement, c'est déjà un rêve qui se réalise. Bon, après, ce serait encore mieux avec du public. J'allais à l'école en face et donc j'ai toujours un peu connu cette ambiance, sortie de l'école, beaucoup de gens devant Forêt Nationale sans savoir ce qui se passait, pourquoi ils étaient là. Ça m'a toujours un petit peu intrigué. Worst is eigenlijk... Ja, meer is een historiek, hè. De mensen die hier allemaal gespeeld hebben. Vorst was toen, nu nog steeds, by the way, maar dat was zo de tempel. Alle concerten die van belang waren, of die dan toch de biggest bands meebrachten, ja, die speelden allemaal in Vorst Nationaal. Forêt Nationale, pour moi, c'est comme un jeune gamin d'abord de Bruxelles, la première salle de concert de tous mes émois. C'est vraiment une salle mythique. Et c'est toujours un plaisir de venir ici. Veel mensen van onze crew, veel mensen waar we ooit mee hebben samengewerkt, weten niet goed niet meer wat te doen. Dus het was wel hoog tijd dat er wat initiatieven kwamen om die mensen te helpen. On est dans un besoin de faire entendre notre voix en tant que voilà, professionnels et tous les acteurs du monde de la culture. Aujourd'hui, d'être associée à cette initiative, de pouvoir aider tous les métiers de l'ombre, ça me touche énormément. Et j'espère que très très vite, les fleurs vont être remplacées par des cœurs, des gens et des voix. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être là pour cette action, donc les fleurs de forêt. Et surtout, ce que je trouve qui est bien, c'est que ça donne de l'espoir. Het goed gevoel. Dat geluksgevoel dat we creëren, de glimlach op de mensen hun gezicht als ze hier buiten stappen, dan weet je dat je je job goed gedaan hebt en dat je met iets goeds bezig bent. En dat missen we denk ik ook allemaal. Ik ben benieuwd wat volgend jaar gaat zijn. Het gaat super druk zijn. Iedereen gaat zich ongelooflijk amuseren, maar of het allemaal praktisch haalbaar is, maar ik hoop dat we allemaal rap gevaccineerd zijn en dat ding zijn doeltreffend blijkt te zijn. C'est que je pense que tout reviendra à la normale. Il faut juste, on doit tous être patient. Ik denk dat we positief moeten zien en we komen daar wel door, allemaal samen. On dit que ça va être les années folles qui vont revenir. Je suis peut-être pas si optimiste, mais je pense qu'on va avoir des grandes années qui arrivent. Ik denk aan de Roaring Twenties. Ik denk dat we elke dag een concert gaan hebben, hè? Dat we elke dag gaan feestvieren. Hè? We gaan een fantastische tijd tegemoet, daar ben ik zeker van. Daar ben ik 100% zeker van. We kijken eigenlijk uit naar de volgende 50 jaar. We gaan zeker de moed inhouden en heel veel leuke projectjes uitwerken in de toekomst. See you.